Konnichiwa, gardien, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une petite vidéo très courte hein, pour une fois sur comment récupérer et trouver les 9 coffres de région qui se trouvent dans la nouvelle zone, donc la zone de la nouvelle activité qui est apparue avec la reine sorcière, donc monde du trône de Savasun. Donc le temps d'arriver sur place et on va voir ensemble comment découvrir les 9 coffres, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. En plus, ça va vous permettre de valider en fait une quête, enfin une partie d'une quête que vous allez avoir besoin. Donc autant que vous soyez au courant dans le meilleur des cas. On va voir ici comment récupérer les 3 coffres de région. Ils sont facilement reconnaissables sur la map. Vous voyez, c'est ce petit symbole-ci. Donc vous en avez 3. Il y a le secteur oublié qui est là. Et là, vous avez un événement public qui est en cours. Donc, de toute façon, c'est le spawn principal où vous avez le PNJ, enfin plutôt le spectre Finch qui est là. Donc sans plus attendre, on va récupérer donc dans cet ordre-ci les 3 coffres et on voit ça ensemble, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, donc une fois que vous êtes au spawn principal, hein, on va prendre tout de suite sur notre droite, ici. On se repère au bâtiment qu'on voit juste en face. Et en fait, on va sauter au niveau des rochers qui se trouvent juste là. Donc pour être plus à l'aise, vous pouvez prendre éventuellement celui-ci hein, qui vous met un peu plus en hauteur et vous avez juste à sauter sur le toit. Et là vous allez avoir le premier coffre de région qui est ici. Donc vous le prenez bien sûr. Hein. Ceci ça va être aussi pour la quête qui vous demande de faire, de prendre 3 coffres de région. Hein. Vous savez c'est cette quête-ci qui est la confiance doit être mutuelle. Donc ouvrez des coffres de région. En l'occurrence on va avoir les 3 de cette région-là, donc la région marécage, mais on va avoir également les... coffre des 2 autres régions. Donc voilà, vous le prenez. Ça va être votre premier coffre. Vous retournez ici et on va se fier en fait au rocher et à l'édifice qui se trouve juste en face de nous. Donc vous y allez, vous n'avez pas besoin de prendre le passereau, c'est quand même pas très loin. Donc là vous prenez le repère au niveau du rocher. Et puis une fois que vous êtes là, en fait, vous sautez ici. Juste là. Et vous avez juste à sauter là. Et vous allez avoir le coffre qui va être juste un petit peu en contrebas. Vous voyez, on le voit ici. Donc là, ça va être le deuxième coffre de région, donc niveau marécage. Donc vous le prenez, bien sûr. Voilà. On va revenir sur nos pas. Et on va aller prendre le troisième coffre de région. Vous savez qu'il se trouve... un petit peu plus sur la droite hein, qui est ici. Donc là on revient sur nos pas. Voilà, on va revenir ici. Et à partir de ce moment là vous pouvez prendre en point de référence ce petit édifice là et on va prendre tout de suite sur la droite ici. Donc là on voit l'architecture, hein, le petit édifice là. On va aller juste ici parce que vous voyez on aperçoit déjà le coffre qui se trouve juste ici. Donc il vous suffit juste de sauter. Hein. Voilà. Et là vous avez récupéré votre troisième coffre, donc qui est le dernier coffre de la partie marécage. Et donc normalement de toute façon ça devrait vous valider la partie de cette quête. On va voir maintenant les coffres des 2 autres régions, donc pour ça je vous propose de retourner au niveau du spawn, c'est-à-dire ici. Donc voilà, nous sommes arrivés au spawn principal, on va reprendre le chemin donc, pour le canal fleuri, donc on reprend comme pour la première zone, sauf que cette fois-ci on va bifurquer un petit peu sur la gauche, en évitant les ennemis autant que ce peut. Là on va prendre le petit tremplin pour arriver sur la passerelle, vous prenez le petit escalier ici, qui va vous permettre de prendre le chemin principal et à partir de ce moment là on va suivre cette partie là. Donc là vous continuez hein, sur le chemin sans problème, on va passer sous l'arche. À partir de ce moment là vous êtes sur l'allée principale et dès que vous allez repérer quelque chose qui pourrait s'apparenter à une fontaine, vous voyez comme ici, vous tournez sur votre droite. À partir de là, on va prendre ici. Et là, vous voyez, on aperçoit le coffre de région, le premier. Si on regarde bien au niveau de la carte, hein, on est bien à cet endroit et on voit bien le coffre de région qui se trouve juste comme indiqué. Donc vous l'ouvrez. Voilà qui est fait.
On va retourner par ici. Là, vous voyez les deux coupelles. On va se repérer dessus. Et donc, on va aller dans cette direction. Donc, je reprenais la petite allée. Là, on peut sauter directement au milieu. Voilà, vous avez le petit arbre, la coupelle. Donc, on va se prendre entre les deux, en fait. Arrivé ici, vous faites attention, on va aller juste en contrebas, vous voyez, juste là. Et voilà, donc quand on regarde, hop, misclic, pardon. Quand on regarde bien, on se trouve bien au niveau du coffre comme indiqué. Donc on le prend. On est arrivé par ici, et nous par contre, on va sortir par là, sous la petite douche. On se débarrasse un peu des mobs si on peut, et nous on va essayer d'aller sur ce petit pilier là. Voilà qui est fait. Donc vous appuyez sur le petit pilier et vous arrivez ici. Et si on regarde bien sur la carte, de toute façon ça correspond exactement où on est. Donc vous avancez un peu bien sûr pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Et donc là, vous avez votre troisième coffre, donc et dernier coffre en ce qui concerne le canal fleuri. Donc on va aller donc pour la troisième zone, hein, qui est la zone de miasme. Donc on va retourner au niveau du spawn principal, ça va être plus simple pour voir le chemin complet. Et on se retrouve tout de suite après le spawn. Maintenant, on va se retrouver pour la troisième et dernière zone, hein, qui concerne la zone de miasme. Donc le temps de se rendre sur place et on voit ça ensemble. Donc là, vous passez sous la petite arche hein, éventuellement. De toute façon, vous allez arriver sur le chemin. Hein. Et à partir de ce moment-là, vous suivez la route, entre guillemets, si on peut appeler ça une route. Mais au moins, ça vous permet de voir par où vous devez passer. Donc on continue par ici. Et à partir de là, on fait bien attention parce qu'on va devoir bifurquer sur la droite. Ici. Et on va se rendre dans le petit édifice qui se trouve juste en face de nous. Vous passez par ici. Donc là, on rentre par là. On va se mettre sur cette petite passerelle. On saute ici. On saute sur la plus grande passerelle. Et on voit le coffre qui se trouve juste en face. Donc on va pouvoir sauter directement pour y accéder. Voilà qui est fait. Donc là nous avons notre premier coffre de région et si on regarde au niveau de la carte, vous voyez, on se trouve bien exactement à cet endroit là. Donc on va le prendre bien sûr. Voilà, en plus ça vous fait monter votre réputation au niveau de Finch, donc c'est tout à fait bien pour vous. Donc on ressort par où on est rentré et on va aller un petit peu plus loin en contrebas, vous voyez, là où vous avez un paquet de mobs qui nous attendent de pied ferme. Voilà qui est fait. Et donc là vous rentrez ici, vous allez avoir le deuxième coffre qui correspond bien sur la carte. Vous voyez, on est bien pile poil à cet endroit là. Donc on le prend également bien sûr. Voilà. Et on va aller prendre le troisième et dernier coffre. Donc pour ça il va falloir que vous sortiez par où on est venu. Et on va repasser par la petite arche, vous voyez, juste ici. À partir de là, on repère l'arbre ici et on va bifurquer un petit peu sur la droite. On peut éventuellement au passage, pardon, prendre la petite ressource de la planète. Hein. Ça peut toujours être utile. Et à partir de là, vous reprenez votre passereau, vous allez à pied, hein, peu importe. Et on va y aller ici, en fait, au niveau de cette petite grotte. Et voilà, d'ailleurs, on doit avoir un gardien qui est passé au même endroit que nous. Et si on regarde au niveau de la carte, hein, on est bien pile poil au niveau du coffre. Vous voyez, on le voit bien ici. Et voilà, donc on va prendre notre neuvième et dernier coffre. Donc on va regarder dans Triomphe. Dans Triomphe, vous allez donc aller dans Monde de Trône. Vous allez aller dans Monde, Exploration. Et là, vous voyez, on a bien validé et on peut bien valider en fait notre Triomphe, récupérer tous les coffres de région dans le Monde de Trône. Donc vous le validez bien sûr.
Et voilà, ça va être tout pour ce petit tutoriel. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous avez juste 9 coffres à récupérer. Vous validez ce triomphe. En plus, ça vous a permis, vous avez vu, de valider une étape de la quête. Donc, c'est tout bénéfice pour vous. Ça va être tout pour ce petit guide. Hein. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il faut que j'en fasse plusieurs parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette nouvelle saison donc, de la Reine Sorcière. En fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la campagne a vraiment été très agréable et vraiment une très bonne surprise. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne campagne pour ceux qui n'auraient pas encore fini, un très bon farm et une très bonne découverte des nouvelles activités. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de vos spectres.